شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jenna TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Les portes de l'enfer sont fermées ». Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت أو صفدت الشياطين ». Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: au premier jour du Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Toutes les portes du paradis, sans exception, seront ouvertes. Un appeleur criera et dira: ô toi qui cherches le bien, aqbil, avance, et ô toi qui cherches le mal, aqsir, va-t'en. Le prophète dit ensuite: ce jour-là, il y aura des gens que Allah Azza wa Jal affranchira du feu de l'enfer. Et ceci se répétera chaque nuit parmi les nuits du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc pendant le mois de Ramadan, les sept portes de l'enfer sont fermées du début du Ramadan jusqu'à sa fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que l'enfer ? Beaucoup de gens osent commettre des actes les menant directement vers l'enfer car ils ne savent pas réellement ce qu'est l'enfer. Alors que de nombreux versets nous parlent de l'enfer et de nombreux hadiths nous parlent également de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vu le paradis et l'enfer. Il nous dit alayhi salatu wa sallam: وَيْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Les compagnons, ils ont dit: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour à ses compagnons: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Les compagnons dirent: et qu'as-tu vu ya Rasulallah? Il dit: j'ai vu le paradis et l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfer, a vu cet enfer s'auto-consumant, c'est-à-dire les parties les plus chaudes dévorant les parties les moins chaudes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: lam ara manzaran kal yawmi qattu afdha. Je n'ai jamais vu de pire endroit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Il faut donc comprendre par cela, du fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait vu le paradis et l'enfer, que l'enfer est déjà créé, existe à l'heure à laquelle je vous parle et est préparé pour les désobéissants. Et tout le monde, parmi les hommes, du premier jusqu'au dernier, seront exposés à l'enfer. Tout le monde sans exception. Et ensuite, certains en seront sauvés et d'autres non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés, dans Surat Maryam. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: لو كان في هذا المسجد مئة ألف رجل أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد بمن فيه. Donc dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait vivre ce qu'est l'enfer afin qu'on y prenne garde. Il nous dit:
s'il y avait dans cette mosquée, il parle de sa mosquée, alayhi salatu wassalam, la mosquée sacrée de Médine, s'il y avait dans cette mosquée 100 000 personnes, et plus encore, et parmi eux un seul habitant de l'enfer, et que ce dernier se mettait à souffler, toute cette mosquée serait alors brûlée avec ceux qui y sont à l'intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Dirsu al-kafir, aw nabu al-kafir, mithlu uhudin, wa ghiladhu jildihi, masiratu thalath » Le prophète sallallahu alayhi wasallam nous dit que dans le feu de l'enfer, une dent de l'infidèle sera aussi grande que la montagne de Uhud. Donc leurs corps seront agrandis afin qu'ils subissent un châtiment encore plus douloureux. Et la largeur de sa peau sera l'équivalent de 3 jours de marche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim « هَذَا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّقٌ » Voilà qu'ils y goûtent eau bouillante et eau purulente. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي الْأَرْضِ » La amarrat ala ahli dunya ma'ishatahum fa kayfa biman huwa ta'amuhu wa laysa lahu ta'amun ghayruhu. C'est-à-dire, si une seule goutte de l'arbre de Zakoum, l'arbre des habitants de l'enfer, était tombée sur terre, elle aurait alors abîmé toute la vie et les moyens de subsistance des habitants de la terre. Le prophète dit ensuite, qu'en sera-t-il alors de ceux dont la nourriture sera de cet arbre ? C'est-à-dire beaucoup plus qu'une seule goutte. Selon Abdullah ibn Qays, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna ahl al-nar la yabkoun. Inna ahl al-nar la yabkoun hatta lo ujriyati sufunu fi dumu'ihim la jarat. Wa annahum la yabkoun ad-dama, yani makan ad-dama. Abdullah ibn Qays nous dit que le prophète sallallahu alayhi wassalam a dit Les gens de l'enfer pleureront au point que si des bateaux voulaient naviguer sur leurs larmes, ils le pourraient. Ils pleureront du sang à la place de leurs larmes. Rapporté par l'imam Hakim fil Mustadrak. Donc, chers musulmans, chères musulmanes, chacun d'entre nous, après avoir entendu ces textes sacrés, des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous doit impérativement cesser, délaisser et s'éloigner des actes qui jettent directement en enfer. Craignons d'être parmi les gens cités dans ces versets et dans ces hadiths. Il est dit dans le Coran al-Karim فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Goûtez donc, c'est-à-dire le châtiment, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Donc, chers frères et sœurs, ce bref rappel sur l'enfer et le fait que les portes de l'enfer sont fermées pendant le Ramadan nous donne deux bienfaits sur nos cœurs, Inch'Allah, et sur le cœur de tous les croyants et les croyantes. Premièrement, cela nous fait méditer sur nos péchés passés et nous presse, Inch'Allah, à nous repentir et à revenir vers le Seigneur des mondes. Mais également, cela nous pousse à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa clémence et sa miséricorde, ferme les portes de l'enfer pendant un mois complet. Il ferme les portes de toutes ces atrocités et immondicités insupportables durant tout un mois. Et ceci parce que Allah azza wa jal veut affranchir ses serviteurs de l'enfer pendant ce mois. Le mois du Ramadan est le mois du pardon et le mois du repentir. On revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et on se répand à lui afin qu'il nous pardonne. Donc faisons en sorte d'être parmi les affranchis et les sauvés. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla li kulli abdin minhum da'watun mustajaba » Allah affranchit chaque jour et chaque nuit du Ramadan des serviteurs de l'enfer et chaque serviteur possède une invocation exaucée rapporté par l'imam Ahmed. Finissons ce bref rappel par un très beau verset du Coran à méditer, Inch'Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima » Allah subhanahu wa ta'ala veut accueillir votre repentir. Allah, il veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font dans sourate An-Nisa. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver chacun et chacune du feu de l'enfer et faire de nous des habitants du paradis et qu'il accepte de nous toutes nos adorations pendant ce mois, le jeûne, la prière et la lecture du Coran et autres adorations. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون